Hugo! Alors mes amis, si jamais vous avez été déjà à New York ou en Amérique et vous êtes un peu comme moi, vous avez sûrement mangé des milliers de portions de cheesecake. Et bien cette recette-ci, c'est vraiment tout à fait la même chose, je vous promets. Donc cheesecake avec un fond de biscuits sablés. Et alors un mélange très crémeux de fromage frais, des œufs, un peu de sucre, vraiment le pied. Bonjour à tous, je suis Sophie, je suis maman, chef et chaque semaine je vous emmène dans ma cuisine. J'aime bien d'en faire des vidéos et alors je les mets sur YouTube, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez des questions, mettez-les dans les comments et n'oubliez pas de subscriber. Ça se dit comme ça? Subscribe, abonnez-vous. Alors, on commence avec le fond de la tarte, c'est des biscuits sablés. Et alors, c'est déjà peut-être une première question. Quel biscuit est-ce qu'on peut mettre? Tout ce qui est sablé, c'est bon. Même avec un petit peu de chocolat, si vous aimez ça. Tout ce qui est sablé, c'est bon. Un peu de sel, du beurre fondu. Et on met tout dans le moule, dans le fond du moule, bien tassé. Un peu de morceaux, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment un truc à avoir à la maison, le moule qui est ajustable. Au plus grand que votre moule sera, au plus bas que le cheesecake va être. Si, moi, j'aime bien un cheesecake tout haut, donc je le fais petit. Une petite ficelle. Voilà, on met un papier beurre comme ça. Tantôt, ça ne colle pas. Pour l'appareil du cheesecake fromage frais, bien évidemment, du sucre, un peu de farine, de la crème, un peu de vanille. Alors ça, c'est la vanille que j'ai fait avec tous les bâtons de vanille que j'ai utilisés. Regardez sur TikTok, vous allez voir comment je le prépare. Je le mets dans tout et quelques œufs. Donc il suffit de tout mélanger et c'est tout en fait. Et je sais quand on fait de la pâtisserie qu'il y a sûrement des questions. Quel fromage? Combien de temps dans le four? Il craque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-le moi dans les comments. Je me ferai un plaisir de les répondre. La farine, le sucre, un peu de vanille. Les zestes d'un citron lavé. Pour le zeste, on n'enlève que le jaune, hein, pas le blanc, parce que le blanc, ça, c'est amer. Le fromage frais et la crème. Si vous aimez les cheesecakes, j'ai encore d'autres cheesecakes sur le website, allez voir. Un fluffy cheesecake, même un vegan cheesecake avec des framboises. Oh, il est tellement bon. Mais celui-ci aussi, vous allez voir. More moments later. Hugo! We have a cheesecake!